j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous fais un petit haul de chez Axe. Je porte mes petits bijoux au Racrasion. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique Petite Créole Bohème Pièce Unique. Ça, je fais ça avec des restes de perles. Donc, c'est des créoles qui sont bronze. Je peux pas mettre de clip sur celle-là parce que j'ai pas de clip en bronze, je crois pas. Parce qu'à chaque fois, vous me posez la question si on peut personnaliser le bijou, oui. Hein. Si là au milieu, vous voulez mettre un petit pompon ou quelque chose, vous me dites. Moi, je le fais, il n'y a pas de souci. Bleu qui brille, j'adore. J'ai la même en doré. Je ne l'ai pas encore remis sur la boutique, mais il faut que je la remette. Donc, toutes mes bagues sont des bagues réglables. Vous avez aussi celle-ci, la grosse, qui est la bague arbre, qui fait tout son effet. Franchement, elle est très sympa. Le cabochon est très bien fait. Hein. J'aime beaucoup. Il est très, 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 très expressif. Donc ça, c'est des diamètres de 25, je crois, 25 mm. Et vous avez ce petit bijou qui est très beau, qui est fait avec des perles de chez Action d'ailleurs. Donc argenté noir avec un petit cœur. Je vous avais présenté lors de mes dernières vidéos des petites boucles d'oreilles qui étaient un petit peu assorties à ce bracelet-là. Donc l'ensemble serait très beau. Un petit cœur et une petite médaille Love. N'hésitez pas à faire un petit tour sur ma boutique. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. Merci pour votre soutien et merci pour toutes vos commandes. On passe à mon haul Action. Je suis habillée comme pour mon retour de course de chez Lidl. Alors, je ne sais pas si je vous poste le retour de course Lidl avant ou le haul Action avant parce que j'ai trouvé pas mal de petites nouveautés, dont cette petite palette qui, j'avoue, n'est pas dans mes couleurs, mais pourquoi pas, pour faire un petit make-up d'été, très sympa. J'ai pu le ticket, elle n'a pas coûté bien cher, elle m'a coûté moins de 3 euros. Donc, c'est la Pretty Eyes Gorgeous 9 Color Eyeshadow Palette. Voilà. À mon avis, venez de les mettre parce que aucune n'était ouverte et aucune n'était swatchée, donc c'est plutôt pas mal. Donc quand vous l'ouvrez, petit emballage carton, voilà, elle se présente comme ça. Donc, vous voyez, c'est des petites couleurs très sympas là pour l'été, ma foi. Hein. Aujourd'hui, j'ai fait un petit make-up, j'ai pas rajouté de rouge à lèvres, toujours avec mon vernis un petit peu pourri là que j'avais acheté chez Nose. Mais voilà, voilà, je trouve très sympa les petites couleurs. Je sais pas si elles sont pigmentées ou quoi, je vais pas l'ouvrir. Je fais peut-être un petit test, je sais pas trop ce que je peux faire comme genre de make-up. Mais celle-là, j'aime beaucoup cette couleur-là, la vert foncé, elle est très sympa. Bon, après, celle-ci, ça c'est des couleurs que je vais mettre. Les autres, on va voir, c'est à travailler. Hein. Donc, une petite palette. J'ai trouvé aussi que j'ai trouvé très jolie, ça va être pour ou mettre mes photos de bijoux dessus ou... Je sais pas trop, mais c'est super fragile en fait. C'est avec des petits coquillages, c'est un dessous de plein. Je pose, hein, moi je vais plus faire comme ça. C'est-à-dire que ça va être un petit truc que je vais mettre dans ma chambre où je vais poser une petite bougie dessus. Je l'ai trouvé très joli, franchement. Hop. Là, le soleil il s'est barré d'un coup, dis donc. Je me suis mis à l'ombre. Mais... Donc voilà, un petit dessous de plat comme ça. J'ai pris, justement, pour pallier à ce genre de truc, j'avais déjà acheté un sèche-vernis de la marque L. J'avais payé 3 ou 4 balles. C'est un petit soufflant, on mettait vos mains, puis ça fait bzzz. Enfin, c'est même pas à pile, c'est rien du tout. Ça sèche pas le vernis, j'en ai marre. Je claque une tonne de sèche-vernis, vous savez, les trucs en bombe là. J'en ai dégommé un que j'ai acheté il y a pas longtemps en 3, il n'y en avait plus, en 3 fois il n'y en avait plus. Donc, du coup, j'ai pris celui-là. Je l'ai payé 13 euros. Donc, c'est un durcisseur à UV, qualité supérieure. Donc, ça durcit tous les vernis et les gels UV. Et comme je me suis gouré que j'avais plein de vernis, c'est des trucs à UV, ben voilà. On va régler ce problème là, j'en ai marre d'attendre 3 plombes. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai attendu 1h30, je suis allée me coucher. Voilà quoi, ça fait. Enfin, je sais pas comment je vais faire pour attraper le truc, mais je vais être obligée de rajouter une couche dessus. Donc, ça, j'ai pris parce que pour notre jardin, le nôtre il est complètement mort, donc c'est un flexible. Vous savez, c'est les tuyaux. Donc 7,5 mètres et il va jusqu'à 22,5 mètres raccord pour robinet, raccord et pistolet d'arrosage. Cette fonction fournie, ça c'est pour arroser le petit jardinet. Je sais plus combien j'ai payé. 3 petits lots d'enveloppes. Ils sont en train de tout changer dans l'Action. J'étais perdue, je ne trouvais plus mes enveloppes. Elles ont changé de place. Donc voilà, je demandais un charmant jeune homme. Donc j'ai pris 3 petits paquets d'enveloppes pour envoyer mes commandes. En petite nouveauté, j'ai trouvé ça. Donc il y avait gommage pour le corps et il y avait aussi le lait corporel que je prends pas parce que finalement en ce moment je suis une grosse feignasse, je n'ai plus le lait corporel. Et leur scrub pour le corps, voilà, c'est en gros pot, on en met partout, c'est vraiment pas pratique, c'est vraiment pas mon truc. Le soleil revient. Donc j'ai pris ça, c'est une mousse de douche Tribalicious Summer édition limitée de la marque Spa exclusive. J'aime beaucoup l'imprimé comme ça, aztèque. Non, ça a l'air de sentir bon. On va voir. À tester, je vous en dirai plus dans mes produits terminés. J'ai trouvé à l'entrée ce joli bloc de feuilles. Donc c'est le céramique. Donc il y a 30 feuilles de papier avec 15 dessins différents. Je l'ai trouvé sublime. Sublime, sublime, sublime. En plus il est un peu brillant. Enfin, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais, limite, même pour faire un décor pour photographier mes bijoux. Je l'ai trouvé magnifique quoi. Il est trop beau. Je regarde le retour caméra, mais c'est vous que j'en regardais.
Elle est magnifique, rien à dire. Donc très contente de l'avoir trouvée. Je vous dis, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais en faire quelque chose. J'ai repris, parce que bon, j'en ai quand même pas mal et qu'il faut quand même que je les utilise. J'en ai encore plein. Petit patch contour des yeux, cela reste mes préférés de tous les temps. Donc c'est les patchs au concombre. C'est quoi ça? Corde élastique avec crochet en aluminium. Je ne sais pas. C'est mon fils qui a pris ça. C'est forcément pour faire quelque chose. C'est pour faire quoi ça? Aucune idée, ça va plus, j'ai pris. Non, pas aucune idée, ça lui a plu. Il a pris. Bon, d'accord. Ok, on a pris un mélange d'amandes et de raisins secs. Donc moi, je vais manger les amandes et je vais laisser tous les raisins secs parce que je ne suis pas fan. Power Mix Just Energize, donc c'est la marque Natural Happiness. Donc trop sympa pour grignoter le midi. J'ai pris celui-là, le beau bracelet. Je l'ai trouvé très joli, je n'avais pas encore vu celui-ci. Avec les petits coquillages, donc tout à fait tendance de maintenant. Donc comme vous avez pu le constater sur la boutique, je fais pas mal quand même de bijoux avec coquillages parce que j'aime beaucoup ça. Oh, si je pouvais partir à Ibiza là tout de suite maintenant, ça serait pas. Mais pas le Ibiza pour faire la fête, hein. Le Ibiza de l'autre côté, un peu sauvage. Enfin, je kiffe. Enfin, je kifferais. Tout à fait dans le même esprit. Mixa Expert Peau Sensible, la première fois que je le vois, je l'ai pas payé cher, 2,95€. La dernière fois, je suis allée à la pharmacie pour une toute petite bombe d'Aven, j'ai payé ça 4€. Et toute petite, hein, elle est grande comme ça. Donc là, je me suis dit que ça serait bien. Donc, nouvelle formule purifiée, rafraîchie, apaise, tonifie pour toutes les peaux, même les plus sensibles. Ça, c'est quand je sors de la douche ou voilà, je spritz le matin pour rafraîchir ma peau, pour la réveiller. Ça élimine les traces de calcaire. J'ai pris, j'avais déjà vu, mais j'avais pas pris. Ça, c'est le hand wash. Donc, c'est du gel pour les mains à la rosemary et au ginger. Good Clean Naturally. Donc, ça, c'est la marque bio, clean, tout ce que vous voulez, que j'aime beaucoup de chez Action. Et je l'avais jamais testé. Je l'avais jamais testé en gel pour les mains. Il sent bon. Ils sont trop bons. La rosemary, c'est quoi? C'est le coquelicot, je crois. Non, romarin et gingembre. Donc la rosemary, c'est le... Je suis composée de 98% d'ingrédients avec une base végétale. Je suis biodégradable à 100%. Excellent, excellent, excellent. Je sais pas, j'ai eu envie de prendre ça pour le boulot. Donc c'est Bar-le-Duc. C'est de l'eau minérale naturelle au citron. 0 calories, 0% sucre. Comme il faut que je boive beaucoup d'eau pour éliminer peut-être mon calcul rénal. Je prends une petite cuillère en plastique réutilisable. Je dis bien réutilisable, ça c'est pour moi au boulot. On nettoie les cuillères et on les garde. La fois j'ai acheté, vous savez, c'est des petites touillettes. Là. Catastrophe écologique. Catastrophe écologique. Mélange de chocolat, d'amandes au chocolat. Chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat, je sais plus quoi. On a une quatrième sorte parce que c'est très sympa. Ça, on aime beaucoup. J'ai pris une petite bougie avec Jésus dessus parce que j'avais envie. Mon nom de pop, j'avais envie. Mélange de noisettes. Donc j'ai pris amandes. Les noisettes, j'avais pas encore goûté. Et franchement, ça ne doit pas être mauvais. Et pour finir, pour Siam, il s'est pris 3 Arizona. Donc pomme grenade à la grenade. Il y a celui à la mangue. Et il y a celui au thé vert. Le téléphone qui sonne. Voilà, c'était tout pour mon petit haul action. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me lâcher un petit comme. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.